Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information ETV News. Je suis Elodie Soupama et voici les titres. Yannick Jadot, candidat d'Europe Écologie Les Verts, était en visite sur notre île. Création d'un syndicat unique et mixte pour la gestion de l'eau en Guadeloupe. Et enfin, nous prendrons le temps de vous expliquer votre taxe d'habitation. Yannick Jadot en visite exceptionnelle en Guadeloupe. Dans le cadre de sa campagne aux européennes, la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts s'intéresse aux diverses problématiques des Antilles françaises. Aujourd'hui, c'est au parc éolien de Sept-Roses qu'il s'est rendu. Rappelons que ce parc est un modèle en matière d'écologie pour la Guadeloupe qui vise l'objectif zéro déchet d'ici 2050. La tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre. À 2 mois des élections européennes, Yannick Jadot, député européen écologiste, était en visite ce mardi sur l'archipel. L'objectif du territoire, quant à son autonomie énergétique à l'horizon 2050, est un modèle à suivre pour l'eurodéputé. Les écologistes sont arrivés hier soir en Guadeloupe et avec cette mission de porter une Guadeloupe 100% renouvelable. On est sur ce champ de 8 éoliennes, c'est 16 mégawatts. Ça fait partie du mix énergétique pour une Guadeloupe 100% renouvelable. Une Guadeloupe 100% renouvelable, c'est une Guadeloupe qui lutte contre le dérèglement climatique, c'est une Guadeloupe qui arrête d'importer du charbon, du fioul, c'est une Guadeloupe qui crée de l'emploi à l'échelle de son territoire. Et c'est ça qu'on a envie de démontrer, et c'est ça dont on veut que l'Europe soit aujourd'hui leader de cette transition énergétique, leader de la lutte contre le dérèglement climatique. Doté du plus grand parc éolien des Antilles françaises, Sainte-Rose fait figure de vitrine en termes de transition écologique. Les 8 éoliennes, dernière génération, permettront à elles seules de fournir de l'électricité à 17 000 personnes par an. Mais selon certains spécialistes, la Guadeloupe pourrait aller encore plus loin. On a la chance en Guadeloupe d'avoir un mix de production renouvelable très varié, avec la géothermie, avec la biomasse, qui vont être des énergies de base sur le réseau, avec en complément la petite hydroélectricité, l'éolien, le solaire, et notamment le solaire avec un enjeu très très fort sur la mobilité électrique et l'adéquation entre la production solaire et la recharge des véhicules électriques. On est avant tout un acteur de territoire. Notre enjeu ici, c'est aussi la création d'emplois, c'est d'imaginer les modèles qui seront ceux de demain, les modèles sociétaux qui seront ceux de demain, avec des emplois spécialisés sur les énergies renouvelables, mais aussi avec une participation très large, puisqu'on prévoit de faire sur ce parc une campagne de financement participatif qui sera la première en éolien sur la Guadeloupe. Et c'est pour nous très important aussi d'avoir une inclusion économique des retombées d'un parc tel que celui-ci à l'échelle du territoire. L'industrie des énergies renouvelables a permis la création de 500 000 emplois à travers le monde cette année. À l'avenir, l'énergie verte pourrait bien être un vecteur de réussite pour la Guadeloupe. C'est acté, la nouvelle gouvernance de l'eau est bel et bien en marche. Les présidents des ECPI se sont réunis hier et ont fini par trouver un accord, dont la création d'un syndicat unique. Mais allez-vous vraiment voir un changement ? Pour le président de région, c'est une avancée considérable. On l'écoute tout de suite au micro de Camille Riwal. On aura plus ces problèmes qui ont existé, ces bagarres, que des réseaux appartiennent à telle commune, à tel syndicat. On n'aura pas autant de syndicats qui gèrent l'eau à gauche, à droite. On n'aura plus ces questions à se poser, qui fait quoi, qui doit réparer des réseaux vétustes, des réseaux en amiante. Avant, c'est le syndicat, donc il y aura une seule autorité qui va gérer l'eau en Guadeloupe, la production, l'assainissement, la distribution, le transport. Donc on aura un seul interlocuteur. La population, c'est comme EDF aujourd'hui. Hein. Nous avons le CIMEC qui gère l'électricité en Guadeloupe et EDF le seul pour l'instant. Donc ce sera un plus pour nous. Donc on n'aura plus à se poser de questions d'ici 10-30 ans qu'il y a des fuites d'eau, qui est le responsable. Il faut qu'on règle définitivement ce problème. Et c'est pour cette raison que la région, dès la mise en place du plan d'urgence des 71 millions, nous nous sommes engagés à hauteur de 30 millions. Et sur ce qui va se faire là actuellement, je le dis, nous serons là, nous allons nous engager financièrement, que ce soit avec des fonds régionaux et aussi des fonds européens. On ne peut pas, je le dis, laisser la Guadeloupe dans cet état.
Le procès de Kalash finalement reporté au 19 septembre prochain. Le chanteur a été libéré sous contrôle judiciaire. Il devait comparaître ce mardi au tribunal correctionnel de Paris. En détention provisoire depuis dimanche matin, le rappeur est accusé d'accident avec délit de fuite et outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique. Kalash, qui réserve ses explications pour la justice, s'est exprimé par le biais de son avocat. Ce dernier affirme que l'artiste n'était pas en fuite. Il prévoit également de porter plainte pour violences commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique. Votre taxe d'habitation est un vrai casse-tête, vous ne comprenez pas les taux qui vous sont appliqués. En effet, les taux varient selon votre lieu de résidence. Alors comment cette taxe est-elle calculée? Grégoire Trutman vous explique tout. La taxe d'habitation, ce courrier qui arrive en fin d'année et qui peut nous coûter très cher, même si l'impôt est prélevé par l'État, il bénéficie aux communes et c'est elles qui définissent son montant. Comment est-elle calculée? Notre taxe d'habitation est le résultat de la valeur locative de notre logement multipliée par un taux défini par la commune. Mais attention, cette valeur locative a été définie il y a plus de 40 ans et n'est pas indexée sur la valeur du logement. Une zone qui devient très chère peut garder une taxe d'habitation très basse et inversement. Toutefois, nous pouvons bénéficier d'abattement fiscal en fonction de notre situation personnelle. Pour des enfants à charge par exemple, ou en cas de faible revenu. À ce moment-là, son montant diminue. Sur le département, les villes les plus chères sont Anse-Bertrand et Port-Louis, et les villes les moins chères sont Petit Canal et Baie-Mahault. Mais comment expliquer de telles différences? D'abord, par le besoin de finances des communes et leurs autres recettes fiscales. Si une ville accueille beaucoup d'entreprises, elle augmente ses recettes et peut donc avoir une taxe d'habitation faible pour ses habitants. Cette année, la taxe d'habitation ne sera plus un mystère. CanalSat Caraïbes lance son décodeur 4K nouvelle génération. Ce groupe de télécommunications, qui détient une part importante du marché de la télévision en Guadeloupe, mise sur un large choix de programmes, de films et de sports disponibles en replay pour sa clientèle. C'est 4 fois plus de définition, de qualité que la haute définition pour ceux qui l'utilisent aujourd'hui. Et ça, c'est, on va dire, en surface que l'une des premières nouveautés. Mais c'est surtout un bijou technologique qui apporte énormément d'innovation. Il nous permet, grâce à sa connectivité avec Internet, d'avoir accès à un catalogue de replays incroyable. Plus de 20 000 programmes désormais accessibles. Pour tous les goûts, honnêtement, il y en a. Toute la famille sera ravie. Des films, des séries, de la jeunesse, documentaires. Il y en a pour tout le monde. 20 000 programmes, c'est quasiment une vie pour tous les regarder, ils sont renouvelés en permanence. C'est plus de 70 chaînes en réalité dont on a accès avec les catalogues replay. Le leader du groupe Akio, François Ladrezeau, mettra la Guadeloupe à l'honneur ce week-end. Le chanteur de musique Broca a été repéré pour participer à l'émission The Voice. Il a donc de grandes chances pour que le jury se retourne lors de sa prestation. Mais pour le savoir, il faudra patienter jusqu'à samedi. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Yannick Jadot, candidat d'Europe Écologie Les Verts, était en visite sur notre île au programme Le Parc éolien de Sainte-Rose. La création d'un syndicat unique et mixte pour la gestion de l'eau en Guadeloupe est actée. Et enfin, votre taxe d'habitation expliquée, pourquoi toutes ces disparités? Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.